bienvenue à notre concert. Je voudrais vous saluer tous et particulièrement nos maires. Je n'ai pas vu monsieur Mouin, peut-être, je ne sais pas, bon, monsieur le maire de Valbar et ses conseillers municipaux. Je vous fais plaisir d'être là. Monsieur est le président de la Confédération musicale de France, est excusé. Il y a plein de concerts en ce moment. Mesdames et messieurs les présidents des sociétés de Valbar, j'ai vu aussi Dominique Zeller, notre ancien directeur musical, ainsi que Jean-Jacques Flamand, qui est son ami musicien et compositeur, dont nous avons joué déjà des morceaux par le passé. Pour notre concert, qui se déroulera sous le fil rouge d'un voyage de génie. Bonsoir Génie, toujours là. je voudrais formuler un vœu. Ce serait que ce soit que l'harmonie Valbar puisse continuer à fonctionner sur cette nouvelle pente ascendante. Vous le savez, le bénévolat se fait rare et l'assiduité est sans cesse mise à mal, pas pour des raisons diverses et compréhensibles. La gestion d'un groupe amateur n'est pas chose aisée, mais elle a ici une bonne étoile. C'est celle de l'humour, de la fraternité et de la légèreté. Profitons donc de ce moment offert où les musiciens amateurs peuvent présenter à leur public, vous, le résultat de leur entraînement régulier. N'attendez pas de bêtes de concours, on n'en a pas dans nos troupes. Par contre, le plaisir d'interpréter a pris le dessus sur la performance. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, chers auditeurs, et un grand plaisir à tous mes amis musiciens.
portoricain. L'histoire aussi d'un amour impossible entre Tony et Maria. Allez, c'est parti. Direction le Bronx. Thank you.
Thank you.
record, faudra qu'on fasse un jour un petit parade. Ouais, au hasard, Jean-Pierre. C'est pas possible. Mais à quelques années, on dépassait la cinquantaine d'années de musique, je pense. Ben, ils ont le ventre de la peau, hein, ces jeunes. Donc bravo à eux, mais bravo aussi à leurs parents qui supportent les entraînements, je le dis chaque fois. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Bravo aux profs aussi, ben, eux ils lâchent pas, ils sont profs. Qui les font évoluer avec patience et surtout à Joël qui fait preuve d'une patience égale, sans égale. Tous les mardis soirs, inconditionnel. À Joël. Dankeschön, Joël. Super. Voilà. Und jetzt eine Lederhose-Marsch-Polka. Pour une histoire qui dure. Une fidélité de plus de 100 ans. Car ce morceau, 1-6-0, a été écrit pour l'anniversaire de deux vieux amoureux autrichiens qui avaient chacun 80 ans, donc, et oui, 80, ça fait 160, 1, 6, 0. Et puis là, cette fois-ci, on a tous les critères, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait un petit peu dans la comédie musicale cette année. Donc, on a tous les critères de la comédie musicale, ben, la bavaroise cette fois, le côté romantique, le paysage, le décor bucolique. Apparemment, il n'y a pas de souci de dispute, mais bon, eux, ils ont la bière, hein, ça peut aider. D'ailleurs, on nous l'a confirmé, cette histoire de bière, j'ai rajouté ça à mon texte, hein, Joël, voilà, hein, qui l'a rencontré. Joël a rencontré un monsieur Hardy Martins, qui faisait une tournée pour présenter ses morceaux, et il paraît que sa voiture de promotion était un peu full von beer, c'est ça. Cumule rouge. Full von wine, rose wine. Also, 1-6-0. Thank you.
Thank you.
les sardines. On va peut-être envoyer cette chanson. J'espère vous entendre chanter. On va mettre les paroles là-haut. On avance. Il faut pas passer trois fois. Oui, mais ça va pas. Oui, on fait tourner les serviettes. Ça va pas. Ça va pas. On a dû changer le son pour ce soir, mais c'est elle qui a préparé toutes ces petites animations. Hein. Voilà.
Ouais. Il reste des plaques. Comme il disait l'autre, on sait jamais sur un malentendu. Thank you.